C'est la même chose. Ouah, j'ai bien dormi. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin. Bah tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes. Alors mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler? Et puis c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non? De toute façon, aujourd'hui c'est encore les vacances et je vais au cirque avec Gromo et Roxane. Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco. Mais ici, tu sais, tu ne crains rien. Alors tu peux enlever ton casque. Je vais ouvrir. Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque. C'est la première consigne de sécurité. Martin, c'est pour toi. C'est monsieur le maire. Alors, jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville? Bah, en fait, je devais aller au cirque avec... Parfait. Allez, en route. Vous prenez tout ça en photo, hein? Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections. Attendez, il y a mes copains dans la rue, il faut les faire monter. Les amis du héros du jour, excellente idée. Ton portrait en sera encore plus crédible. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pas mal ton carrosse, on va où? J'en sais rien, allez, montez. Et maintenant, en route vers ce chantier historique. Mais au fait, quel chantier? Allô? Oui, j'écoute. Mais alors, ça veut dire qu'on va pas au cirque? C'est pas grave, Roxane, on ira demain. Sauf si tu te réveilles en cocotte minute. Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque? Pour vous montrer ça. Un singe géant? Et alors? Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant? Ce serait pas un peu dangereux? Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Hé, hey, regardez! On va passer devant le cirque! Libérez! Une manif! C'est l'association de libération des animaux. Libérez les animaux! Monsieur le maire, s'il vous plaît, répondez, monsieur le maire! Et souviens-toi, Martin, tout repose sur toi maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier? Oh, attendez, je crois que j'ai deviné. Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça? Exactement. Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier. Déclaration avant ce moment historique. Est-ce que vos parents sont devant la télévision? Avez-vous le vertige? Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satané journaliste. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non? Regardez, d'ici, on voit le cirque! Oh là là, on dirait un gros orage qui arrive. Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs... Reporter devant tous ces journalistes? Ce chantier, c'est la fierté du maire. Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça. T'inquiète pas, mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console. Bon, alors comment ça marche cet engin? Incroyable! En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé. Symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants. De rien du tout. Une tempête, oui.
Alors ça, c'est pas dans Robotique Simulator qu'il l'a appris. Oh, le gentil Wistiti. Et on va gentiment rentrer dans sa cage. Mais si tu veux, tu peux te promener un petit peu, hein. Toi, tu vas faire un gros dodo. Laurent, au temps du cirque, il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive. Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin, faut pas rester là. Il faut évacuer le chantier. Un singe géant vient par ici. Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant. J'aimerais bien voir ça. Oh. Et ben voilà, il est libéré, ton singe. Mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs, vous lui faites peur. Quelque chose? Dis-moi que tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça, j'ai une grue. C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Gilly. Mais comment t'as fait ça? J'ai seulement fait mon travail. Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Il faut sortir de là, mais... Non, si la grue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils viennent le capturer. Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui. Ah non, pas question. J'ai une idée. Gros mot, Roxane, écoutez-moi. Raté. Loupé. Et c'est parti pour la phase 1 du plan. Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense. Sans défense? Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère. Bravoure! Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants. Dites-lui de nous remettre le singe. Nous l'avons acheté assez cher. Et non, cet orang-outan n'est pas à vous. Et sa place est dans la jungle, en liberté. Phase 2, enclenchée. Mais, c'est mon téléphone. À toi de jouer, ils disent que tu peux y aller. Allô, Martin? C'est bon, tout est arrangé. Vous pouvez nous envoyer le colis. Super,
il arrive. Allez, encore un peu de patience, Boubou. Merci, Martin, et merci aussi à tes amis. Et ne vous inquiétez pas, grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille. Boubou, ça lui va plutôt bien comme petit nom. C'est un scandale, c'est du vol. C'est le braconnier du cirque que j'entends. Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée. Tiens, tiens. Ce singe appartient au cirque, c'est mon orang-outan géant. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan. Quel orang-outan? Celui que vous avez enlevé dans la jungle? Alors que c'était une espèce protégée? Vous travaillez pour le cirque de la ville. Saviez-vous que ce singe était une espèce protégée? Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité? Oh, il peut s'enfuir, mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain, car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot.